Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit papa, maman, et bon, pourquoi ? Je n'ai jamais su. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai une passion pour les ponts. Pas d'angoisse métaphysique pour savoir ce que je voulais faire plus tard, construire des ponts. Et donc, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai construit un pont qui tient toujours. Et puis, petit à petit, durant ces études, le Seigneur m'a fait découvrir qu'il y avait des beaux ponts de pierre à construire, un petit pont médiéval ou un grand pont, c'est toujours beau. Mais il y avait d'autres ponts à construire, des ponts invisibles, entre les hommes et Dieu. Sainte Catherine de Sienne, une tertiaire dominicaine, pas des moindres, docteur de l'Église, dit que le Christ est l'unique pont entre Dieu et les hommes. Alors, eh bien, cet appel a grandi, mystérieusement, comme dans le cœur de chacun. Et pour construire un pont, il faut un bureau d'études. Un bureau d'études, c'est la communauté contemplative, fraternelle, aussi d'études. Et puis un chantier, bien sûr, on met en œuvre, c'est la prédication sous toutes ses formes. Alors voilà, le Seigneur m'a appelé à construire ses ponts avec sa grâce. C'est tout bon.